Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue dans cet épisode 14 de Au coin du Blu-ray. Épisode 14, donc toujours consacré à la lettre F. Et encore une fois, j'ai pas tant que ça de films dans la lettre F. J'ai un truc, mais j'ai vraiment hésité à vous en parler, mais je me suis dit que ça valait vraiment pas le coup parce que j'allais vous faire subir un métrage complètement fumé et pas du tout intéressant, Furtif, qui est l'un des grands moments de gloire de la filmographie de Rob Cohen, qui est capable de nous faire un objet à la limite du vomitif. Donc je me suis dit que j'allais plutôt vous conseiller un très bon film, voire même un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs films de son réalisateur, si ce n'est peut-être le meilleur à égalité avec un autre film, mais voilà, c'est un film d'animation et pour le coup, je trouve que ce cinéaste, il a réussi à faire quasi deux chefs-d'œuvre dans sa filmographie, l'un en live et l'autre en film d'animation. Celui en live, c'est The Grand Budapest Hotel, qui pour moi est un immense morceau de cinéma. Et le meilleur film d'animation de Wes Anderson est certainement Fantastic Mr. Fox, qui est peut-être l'un des moments de cinéma les plus délicieux que j'ai eu l'occasion de voir. L'histoire, pour faire extrêmement simple, on va suivre donc Mr. Fox, qui est un voleur de poules, mais lorsque son fils naît, et ben sa femme lui dit « tu arrêtes de voler des poules ». Et on le retrouve ensuite 12 ans plus tard, lorsque une situation amenant l'arbre dans lequel ils habitent à potentiellement être détruit va les pousser à potentiellement continuer de voler des poules ou faire autre chose. Ce qui est génial avec Fantastic Mr. Fox, c'est que bien au-delà de démontrer que Wes Anderson est un génie de la mise en scène, c'est tout simplement l'un des plus beaux films d'animation que j'ai eu l'occasion de voir. Parce que dans une époque où il fallait que tout soit numérique, où il fallait que tout soit en images de synthèse, où il fallait même que les dessins soient absolument en 3D, on avait d'un côté les Japonais qui se disaient que l'animation à l'ancienne, avec les traits d'un crayon, ou même une tablette graphique qui allait reproduire cet effet un peu pastel suffirait à faire revivre un certain cinéma d'animation. En face, on avait Wes Anderson qui s'est dit « le stop motion, c'est bien ». Et si on faisait en sorte que, au moment où le film est sorti, c'est-à-dire si je ne me plante pas en 2009, c'est ça, et si je faisais un film d'animation en stop motion avec des petites figurines? Bon, il y a une polémique qui entoure un petit peu le film, selon laquelle potentiellement la majorité des figurines de ce film auraient potentiellement été conçu à partir de fourrures de véritables animaux, donc ça, c'est toujours un peu nébuleux autour de ça, donc on va éviter d'en parler parce que il y en a certains qui disent que c'est vrai, il y en a d'autres qui disent que ça serait une fumisterie entourant le film pour le décrédibiliser. Moi, je ne sais pas. En tout cas, la chose dont je suis sûr, c'est que ce film est sublime. Encore une fois, ça démontre à quel point Wes Anderson est capable de concevoir des cadres que celui semble avoir le secret pour réussir à mettre en place, parce que réellement dans ce film il y a des plans, enfin je veux dire c'est extraordinaire à quel point la symétrie prend encore une fois tout son sens, et pour une fois, là il a une pleine maîtrise de ça. Je veux dire, avec des acteurs c'est beaucoup plus compliqué des fois de concevoir la symétrie d'un cadre, on peut arriver à la mettre en place de manière à peu près correcte, mais il est parfois compliqué parce que soit le décor va pas forcément arriver à se fondre là-dedans, bon, sauf dans des films comme The Grand Budapest Hotel. Pour moi dans The Grand Budapest Hotel, la symétrie a atteint son paroxysme, et je pense que Wes Anderson, peu importe ce qu'il fera ensuite, il pourra jamais égaler ce niveau-là. Mais vous regardez dans Fantastic Mr. Fox, vu qu'on est sur des miniatures, sur des petits décors, sur des personnages qui sont montés voilà, sur des petites figurines, bah à partir de là, il peut vraiment maîtriser chaque aspect de sa symétrie dans son cadre. Et ça se ressent dans chaque plan de Fantastic Mr. Fox. Ce film est magnifique à regarder. Mais vraiment magnifique, je veux dire. Vous prenez un plan paumé au milieu du film, tout est parfait dedans. Tout est beau, tout est élégant, tout est subtil, tout est justement amené. Enfin, ce film, moi, je le trouve vraiment magnifique. Il est beau à regarder. Et au-delà d'être beau à regarder, enfin, vous pouvez vous amuser à choper le casting du film. Bon, déjà, en version française, on a Mathieu Amalric et Isabelle Huppert qui sort le film. Il arrivera à faire encore mieux avec Lilo Chien en termes de casting. Mais en version originale, vous avez Jason Schwartzman, vous avez George Clooney. Enfin, il y a des putains d'acteurs dans les versions françaises, dans les versions anglaises. Enfin, ce film est bourré de bons points. Enfin, c'est impressionnant, mais ce long métrage, moi, il me fascine vraiment. Il y a des films de Wes Anderson que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup La vie aquatique, j'aime beaucoup Les Tenenbaums, j'adore The Grand Budapest Hotel, j'aime beaucoup L'île aux chiens, mais pour Fantastic Mr. Fox, j'ai une affection toute particulière parce que je trouve vraiment ce film totalement atypique. Bon, déjà, il y a le fait que ça soit adapté d'un conte de Roald Dahl, ce qui rend le côté un petit peu conteur de la part de Wes Anderson encore plus sensible ici, et ce qui fait qu'il a envie absolument de faire en sorte qu'on s'attache à ses personnages, déjà qu'on s'attache forcément aux autres personnages de sa filmographie. Mais là, il y a une douceur, il y a quelque chose de vraiment simple, de vraiment juste, qui se dégage finalement des relations qu'entretiennent ces différents héros, et de cette quête qui finalement est assez simple, mais
qui pour autant arrive à parler un peu à tout le monde. Et c'est ça que je trouve beau dans ce film. Et au-delà de ça, enfin, regardez juste l'esthétique du long métrage, que ce soit le travail des miniatures, que ce soit le travail des décors, que ce soit l'enchaînement des différentes séquences, que ce soit le travail du montage, la splendide musique d'Alexandre Desplat. Tout est bon dans ce film. Et au-delà d'être simplement bon, c'est beau. C'est vraiment beau à regarder. C'est enivrant. Le film a l'avantage aussi d'avoir quelques bonus assez intéressants, notamment sur la conception des différentes figurines. Encore une fois, qu'on peut remettre en question en fonction de si les figurines ont été ou non conçues à partir de vrais poils d'animaux. Là, c'est une problématique. Mais en tout cas, il y a tout un travail autour de la conception des différents personnages, de la conception des décors, de la manière avec laquelle Wes Anderson travaille avec les miniatures. Enfin, c'est très beau d'ailleurs. Encore mieux complété sur L'Île aux Chiens. Je trouve que sur L'Île aux Chiens, il y a encore plus de bonus. C'est encore plus intéressant à regarder et il y a encore plus de choses à découvrir. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas compris, je vous recommande plus que chaudement Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. C'est un très grand film de cinéma. C'est un très beau film d'animation pour petits et grands. Ça, je tiens à le rappeler, mais on ne le dit pas assez souvent. Les films d'animation ne sont pas que pour les enfants. Ça peut aussi être pour les adultes. Et ce que je trouve très intelligent, c'est que dans Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson a mis un niveau de lecture pour les adultes et un niveau de lecture pour les enfants. Tout comme L'Île aux Chiens et tout comme bien d'autres longs métrages. Je comparais ça au studio Ghibli au début, je m'obstine, les studios Ghibli aussi ont un très bon niveau de lecture pour les adultes et pour les enfants. Foncez voir ce film, vous ne le regretterez pas. Ainsi s'achève cet épisode 14 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur Fantastic Mr. Fox avant ou après avoir vu le film. Dans tous les cas, je pense que vous allez vraiment adorer. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.